Bienvenue à Ouvea IAI pour ce nouveau numéro de Parole et Partage. Cette île dite la plus proche du paradis a pourtant connu des jours sombres. En 1988, l'attaque de la gendarmerie, l'assaut de la grotte de Gossana font 25 morts, dont 6 militaires et 19 indépendantistes kanak. 30 ans après cette tragédie, les habitants ont-ils pansé leur plaie? 30 ans après les accords de Matignon, qu'en est-il du rêve indépendantiste, du rééquilibrage et du développement économique sur l'île? Autant de questions que nous poserons à nos invités, à nos hôtes, Dave. Effectivement, Nadine, et comme à chaque numéro, nous donnerons la parole à la jeunesse. Une jeunesse d'IAI qui n'a pas connu les événements de 1988. Aujourd'hui, ils ont accepté de nous livrer leur vision de l'avenir et son tabou, Nadine. Sans plus tarder, Brigitte Wapp et Philippe Kunzmann nous emmènent à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont fait le choix d'investir dans le développement économique de leur île. Partage. Là, je suis en train de retourner les cocos, parce qu'à chaque chauffage, il faut toujours tourner, parce que si tu ne tournes pas, ben, ce qui est au fond, là, il va être brûlé, cramé, puis ceux qui sont là-haut, là, ils vont toujours être blancs. Tu vois. Celle-là, c'est encore blanc, parce que quand tu casses, là, ça se voit bien dedans. Là, ça, c'est encore blanc. Là, c'est, ça, c'est cuit déjà, c'est, parce que c'est, elle est grise à l'intérieur. Tu vois. Et c'est croquant, quoi. Voilà. J'avais aimé ce métier là parce que c'est nos papas, nos grands-pères avant, comme il n'y a pas de travail, ben, il vit que du copra. C'est, bon. Ben, c'est un peu le nickel d'ouvert quoi. Ce qui est avantageux c'est nous, le nickel à nous, ça se plante. Tu peux planter, ben, le nickel à nous, ça repousse. Ben là, c'est les sacs qui viennent d'arriver, là. Ben, ils emmènent et puis moi, je l'achète à 50 francs. Ça, je l'ai prêt pour aller à Huillerie, ça. Tu vois, ça, c'est sec, ça. Ici, là, par mois, peut-être, je vais trois fois. Je vends trois fois. À chaque vente, une tonne passée. Quel que soit le résultat au référendum, c'est pour ou contre l'indépendance? Vous voyez quoi là, après 2018? Ah, mais c'est après, c'est, même si c'est le oui qui l'emporte ou non, mais la vie continue. C'est pas comme après 88, on ressent encore des trucs. Maintenant, 30 ans après, le temps a fait son travail. Pour nous qui avons vécu ça, mais ce qui... C'est par rapport à gérer maintenant nos jeunes, parce que ceux, pendant 90, ils ne sont pas là encore. La jeunesse, des fois, ils rebellent, ils font n'importe quoi, il y a la délinquance, tout ça, mais ce n'est pas la faute aussi des jeunes aussi. Peut-être que c'est à nous aussi d'expliquer, de voir des bons côtés des choses. Je suis d'ici, d'Ouvea, et je viens de la tribu de Mouli, au sud, avec les mamans du sud. On vient pour la journée du savoir-faire, ici au nord de l'île. Planter, oui, elles plantent des oignons. C'est le quotidien, on va dire. Oui, oui, c'est le travail de tous les jours, quoi. Hein. C'est pour subvenir justement aux
pour la nourriture, pour les enfants et puis même nous, pour les adultes aussi. Hein. Vous voyez là, c'est le savoir-faire. Là, c'est des mamans qui savent tresser, mais montrent à d'autres mamans qui ne savent pas tresser. Moi, comme mon mari, il était prisonnier politique aussi, en 88, mais il me dit toujours, ah, mais 30 ans, mais moi, je vis comme d'habitude. 30 ans, même dans le référendum, ça a une symbolique, ça a une portée quand même. Oui, c'est bon, ça a été... tout le monde, ça y est, se parle pas comme avant. Avant, on voyait beaucoup, elle est de telle partie, telle personne est de telle partie. Là, on voit moins les tendances politiques de chaque personne. Mais les gens d'ici veulent vivre ensemble. Je m'appelle Wetewe Akaiwatch, je suis de la tribu de Gossana. Voilà, j'ai pris comme métier pêcheur, j'enseignais auparavant pendant 15 ans, et puis voilà, je me sens bien à la pêche et je passe plus mon temps en mer que pour gagner ma vie comme ça. Comme il y a beaucoup de bancs, on va y rester au bord pour faire la pêcher au bord. C'est là où il y a les plus gros poissons, sont plus au bord. Depuis petit, on accompagnait les papas, les tontons, les vieux. Quoi. Et puis voilà, après, on a commencé à travailler, on a pu acheter un bateau aussi. Et on a pris la main aussi comme ça, à aller aussi à la pêche. Qu'on soit indépendant ou pas indépendant, on a appris à gérer, prendre les choses en main. Et voilà, pour penser à la suite, c'est-à-dire pour les enfants futurs, c'est que voilà, il ne faut pas qu'il y ait des habitudes qu'on fait qui disparaissent. Ça ne veut pas dire que l'indépendance, puis après on arrête l'école, on arrête ça. Il faut trouver des solutions. Et pour ce premier espace de partage, nous sommes tout au nord d'Ouvéa, dans le district de Saint-Joseph, et plus précisément à Ougnat, dans les jardins du snack Soleil et Levant, qui nous ont ouvert généreusement leurs portes. Et à mes côtés, la propriétaire du snack, Comachaco, merci de nous accueillir. Et à côté de vous, Virginie Wallep, conteuse. Merci à tous deux de participer à cette émission. Ouvéa 1988, Ouvéa 2018, 30 ans se sont écoulés depuis la tragédie qui a conduit aux accords de Matignon et de Nouméa. Comachaco, comment avez-vous vécu ces événements et avez-vous vu un changement avant, après 1988? Si oui, lequel? Le changement que j'ai vécu, c'est que je ne pleure plus. J'ai arrêté de pleurer. Parce qu'il y a un moment où je dois pleurer, mais il y a un moment où je dois vivre avec l'autre, regarder l'autre, croiser l'autre. Et qui est l'autre? C'est celui que je regarde en face. Et en tant que Koma Tchako qui était, je suis Koma Waikata aujourd'hui,
Je dois vivre, partager, parce qu'il faut savoir le pourquoi de la mort de ces 19. C'est pour rester pleurer tout le temps? Non. Il faut un moment où on doit s'ouvrir aux autres, au monde. Vous étiez la femme du pasteur Tchako, oui. Qui est décédé. Oui. Décédé, pardon. Oui. Vous étiez donc un couple de pasteurs, oui. À Gossana. Oui. Vous aviez donc vécu, oui. Ces événements. Ça fait maintenant plus de 30 ans, voire 40 ans que vous êtes sur UVA. Oui. Quel message porter alors aux jeunes générations qui n'ont pas connu ces événements, mais qui vont être là, confrontés le 4 novembre à un choix, oui ou non, à l'indépendance. Oui. Quel message ? Le message que je dois dire aux jeunes, parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Nous, on a vécu ce moment-là. Les jeunes qui n'ont pas vécu, ils vont vivre et faire tout ce que les parents disent, ou moi je dois donner aux enfants, dire aux enfants ce que j'avais vécu en ce moment-là. Le message, c'est à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire, comment le diriger cet enfant-là. Alors, le message que je dois dire aux enfants, que j'ai dit à mes enfants, il faut casser le cocon en deux. C'est-à-dire ? Il faut s'ouvrir vers le monde. Parce que le cocon, quand il est fermé, eh ben le jus tourne autour, ça fait qu'on est là, tourne autour du pied du cocotier. Monte sur le cocotier, c'est de là que tu vois la case d'à côté. La case d'à côté, il y a ton frère. Et c'est là où tu redescends, puis tu vas voir ton frère. Mais quand tu tournes autour du pied du cocotier, on n'a pas la même longueur d'onde avec les autres. Tu vas toujours regarder la racine du cocotier et il n'y a pas de discussion possible. Mais pas, monte sur le cocotier, monte et puis regarde le monde devant de toi. Aller vers l'autre, regarder celui qui est à côté de nous, Virginie Wallep. Vous êtes conteuse, vous travaillez avec les enfants. Est-ce qu'à travers les contes, c'est aussi ce message-là qui est porté, que vous portez à travers les contes? Bonjour la Calédonie. Bonjour l'île d'Ouvéa. Moi, je vais dire que je suis un peu émue. Et on ne va pas ignorer ce qui s'est passé. Autrefois, parce que moi j'ai vécu tout ça. Vous aviez 17 ans au moment des événements. Oui. Vous êtes une élève de l'école populaire Kanak. Oui. Et comme j'entends Ancienne Totine qui disait qu'il faut s'ouvrir. C'est vrai qu'il faut s'ouvrir. Moi je veux dire qu'il faut s'ouvrir, il faut aller vers l'autre. Il faut accueillir l'autre qui vient vers toi. C'est aujourd'hui, les événements sont passés, mais on ne peut pas oublier ça. Ça a marqué dans nos cœurs. Parce que moi, j'ai vécu ces moments-là. Ce n'était pas évident. Parce qu'on a vu la souffrance qui s'est passée. On a été coupés de toute la Calédonie. On a été isolés. Et pour moi, ces moments-là, c'est inoubliable. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas ignorer tout ça. Ce poids-là du passé, c'est un fardeau. Vous l'avez vécu comme ça? Ou une fierté? Ou les deux? Je vais dire les deux. Maintenant, on parle de désaccord. Ben, ces accords-là, ils ont été signés à cause de tous nos morts. Et moi, je dis que si on enseigne les enfants, c'est quelque part de ne pas remuer la plaie, mais c'est de faire que nos enfants, ils essaient de comprendre ce qui s'est passé hier et vivent avec, en avançant et à aller vers l'autre. Et celui qui est là-bas, qui hier était ton ennemi, c'est devenu ton frère. Là, on parle du destin commun. Mais maintenant, il faut travailler ensemble. Moi, je pense que c'est exactement ça qu'on peut faire. Alors, travailler avec l'autre, regarder l'autre, aller vers l'autre pour construire ce destin commun. Des chemins de réconciliation et de pardon ont été faits, notamment avec l'appui de l'Église au niveau de réconciliation avec la gendarmerie, réconciliation avec les familles Iwene, Chibaou.
Aujourd'hui, on sent un malaise au sein même des districts, des clans, des chefferies sur UVA. Est-ce que ce sont aux femmes d'impulser ce chemin du pardon pour créer ce destin commun et se vivre ensemble, Comachaco, pardon. Est-ce que c'est aux femmes de porter, parce qu'on ne veut plus voir ce qui s'était passé, on ne veut plus voir se reproduire les événements de 88. Oui, pour la après la réconciliation, les pardons, ça veut dire quoi? Quand on pardonne à quelque chose, il y a un sens chez nous, les Mélanésiens. On met notre coutume, on demande pardon. Ça veut dire qu'on ne redit plus. Il faut avancer. Mais c'est lourd. C'est dur. Mais une fois qu'on met une coutume de pardon, ben il faut avancer avec l'autre. Cette coutume, est-ce qu'elle a été faite ici, sur OVA, entre les chefferies, les clans, les familles? Entre les chefferies, avec les gendarmes. Mais la paroisse de Gossana, d'abord, il y avait un pardon entre les paroissiens de Gossana, parce que la paroisse, elle est divisée. Ça fait qu'on doit se pardonner entre nous, dans la paroisse de Gossana, avant d'aller faire la réconciliation avec les autres. Ouais. C'est comme ça qu'après, maintenant, il faut avancer ensemble. Après les pardons, la réconciliation. Mais sans oublier, on sait que ça fait mal. Mais on part, on va vers l'autre. Mmh. Ouais. Travailler avec les autres. Virginie Waleb, quel regard vous portez sur tous ces démarches de pardon, de réconciliation? Est-ce que vous sentez que maintenant, sur OVA même, entre les familles, les clans, c'est facile de parler avec celui qui peut-être était en face d'une autre mouvance? Est-ce que c'est facile de pardonner et d'avancer? Moi, je pense qu'au niveau des travaux coutumiers, ça, on ne voit pas. Parce que moi, je disais que la politique, c'est la politique. Et quand on fait des travaux au niveau des mariages, soit des deuils, moi, je ne remarque pas ça. Parce que il y a un moment donné, on fait la politique, et à un moment donné, on est dans les échanges culturels. Je n'ai pas remarqué ça, qu'il y a, des cœurs qu'on s'en prend à l'autre à cause d'hier. Moi, je trouve que depuis les réconciliations qui ont été faites par les familles, moi, je remercie la famille Ouya avant tout. Et que, même si Tantine dit qu'il n'y a pas eu avant, mais moi, je remercie parce qu'au même, ils ont pu quand même faire un grand pas. Aller vers Yengen, c'est pas facile. Moi, je dis que tant que jeune maman, en ce moment-là, jeune fille, j'ai un peu peur d'aller sur nos miens parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là-bas parce qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu des drames. Et aussi, ceux qui sont là-bas, à l'autre côté, c'est la famille. Et puis c'est la famille. Mais on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Mais moi, je remercie que les efforts qui ont été faits pour que les familles se réconcilient. Et maintenant, on parle de la réconciliation. Et c'est vrai que nous aussi, il faut qu'on avance pour que, on parle de 2018. Ben c'est de savoir s'approcher de l'autre et se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir beaucoup à se parler, à partager nos convictions et nos pensées. Maintenant, l'avenir, c'est pas qu'à nous les Canaries, il y a aussi les autres ethnies qui sont là, c'est nos frères qui contribuent aussi à le développement de ce pays. Moi, je dis que celui qui est de l'autre côté, c'est nos frères et sœurs qui sont là. Peut-être hier, on avait ça, mais maintenant, c'est de s'ouvrir, de partager et d'aller vers l'autre. Alors justement, comment vous voyez 2018, là, après, on sait la date, le 4 novembre, on sait la question. Comment vous voyez l'après, indépendance ou pas? Comment vous appréhendez
cette sortie. La vie continue. On continue. Tout ce qu'on fait actuellement, on va continuer à faire. Et voilà, on vit avec, on est obligé de vivre avec l'indépendance ou pas l'indépendance, la vie continue. Et je pense que l'indépendance, hier, c'était fort, on avait la conviction politique de nos leaders, c'était d'être indépendant. Et après, mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de choses à créer, à beaucoup faire. De choses à créer. Est-ce que 30 ans après les accords de Matignon, dit de rééquilibrage, Ouvéa l'a délaissé? Ouvéa l'oublier, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut développer, Comachaco? Vous qui tenez une table d'hôte aujourd'hui. Développer beaucoup de choses. Pour moi, Indépendance ou pas, y aura-t-il un changement pour vous au quotidien dans le transport, dans le fret, dans le développement du tourisme? Pour après, l'indépendance. Il faut que je sois indépendant. Il faut que je réfléchisse moi-même. Il faut que je me dis, lève-toi, va faire le transport, va faire ça, va faire ça. Parce qu'on a tendance à attendre que l'autre va te dire, fais ceci, fais cela. Pour 2018, il faut qu'on bouge. Si on veut notre indépendance, il faut bouger. Je fais la table d'hôte. Je suis restée toujours comme ça. Il n'y a pas d'aide. On ne m'aide même pas. Peut-être que c'est là la question. Qu'est-ce que vous voulez pour l'indépendance? Et si on veut l'indépendance, ben voilà, il faut rester comme ça. Avec nos savoirs et la vie de tous les jours, on vit comme ça. Mais c'est pour dire l'indépendance. Ben, il faut qu'on soit indépendants nous-mêmes à penser. Pardon. Virginie Wallep, vous acquiescez depuis tout à l'heure aux propos de Comachaco. Ça fait écho chez vous aussi? Vous avez cet esprit-là d'indépendance déjà pour soi? Vous avez monté votre projet de laverie sur l'équine, Wakatch. Alors dites-nous votre état d'esprit là pour au lendemain du 4 novembre. Le 4 novembre, c'est loin encore le mois de novembre. Hein. Mais je dis que voilà, l'indépendance, c'est, je trouve que le mot indépendance, c'est d'être indépendant d'abord soi-même et de créer quelque chose avant tout et de faire travailler. Voilà, de promouvoir ce qu'on peut faire plus tard. Si ouais, il y aura l'indépendance, ben, chacun déjà. Créer un projet. Comme vous d'ailleurs, vous l'avez fait sans aucune aide. Racontez-nous. Au départ, j'ai commencé moi-même avec mon mari à faire le projet. De laverie, hein, projet de laverie. Et après, en 2015, j'ai été sollicité un peu par la mairie. Je remercie la commune d'Ouvéa. Et sinon, la province, ils ont déjà accepté mon projet de laverie. Et j'ai vu que c'est un peu, il y a beaucoup à donner pour mon apport personnel. Et moi, j'ai pas assez de revenus. Et déjà, j'arrive pas à payer le rhum. Et donc, j'ai dit, il vaut mieux rester simple, voilà. De travailler dans ton petit local, simple. Et je trouve que c'est mieux quand c'est simple, parce que on n'a pas la tête qui va s'éclater à cause à rembourser les crédits, les emprunts. Et donc, j'ai pas fait rester comme ça, simple. Voilà. Merci pour ces paroles, Comachaco, Virginie Wallep. À présent, nous allons recueillir la parole des jeunes, justement. Qu'est-ce qu'ils pensent du référendum de 2018, comment porte-t-il cet héritage du passé, des événements de 1988? Et pour cela, nous allons tout au sud de Lille, à Mouly, où nous rejoignons Dave Wayonasson.
Effectivement, Nadine, ils ont la trentaine et aucun n'a vécu directement les tragédies de 1988. Avec nous, Marceline Magellé, vous êtes mère au foyer, vous êtes originaire de Héo. Jean-François Waïmo, vous êtes originaire de Mouly et vous travaillez dans un cabinet d'études à Nouméa. Anekon Neugen, vous êtes animateur communal et vous êtes originaire de Gossana, Bossou. Comment se passe la vie ici, à Ouvéa, dites-moi. Elle est tranquille, cool, Raoul. Pas de prise de tête. La simplicité, Jean-François. La vie ici, ouais, elle est simple. Enfin, il faut juste ne pas être fainéant, puis voilà. C'est ce qui fait la singularité de l'île d'Ouvéa, Nekon. Oui. Avec, ben voilà, il y a ceux qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas, ben... Ils font les champs, ils vont à la pêche. Marceline, vous êtes mère au foyer, je le rappelle. Comment est-ce que vous faites pour subvenir à vos besoins? Ben, on fait les cocos, on vend des gâteaux au marché, les légumes. À l'école, est-ce qu'on fait suffisamment pour les jeunes ici, à Ouvéa? Est-ce que c'est une priorité? On va dire qu'il y a encore des choses à... On est dans cette phase-là où Ouvéa est en train d'évoluer. Il y a des infrastructures qui se complètent, il y a des nouveaux chantiers qui arrivent pour la jeunesse aussi. Des terrains sportifs, des infrastructures sportives. Quoi. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le rééquilibrage n'est pas une réalité depuis 1988, ici à Ouvéa? En fait, Ouvéa, après les événements, il y a eu un retard par rapport à l'évolution. Je comparais par exemple à Lifou et Marais où Ouvéa, par rapport à son histoire, il y a eu un moment où les gens sur l'île, la vie était difficile. L'ouverture vers l'extérieur, le développement économique sur l'île a bien ralenti. Voilà. Et comment est-ce que vous expliquez ce retard, Jean-François? Pas assez de politique publique envers la jeunesse? C'est de la politique publique ou c'est plutôt parce que... Enfin, c'est nous-mêmes aussi qui attirent aussi. Ils attirent beaucoup aussi nous-mêmes. Enfin, quand les jeunes ils arrivent là-bas, après, ils voient autre chose qu'ils ne voient pas ici sur l'île. Après, ça les incite à rester là-bas. Enfin, pas traîner dans les quartiers, mais... Enfin, le fait de vivre là-bas, voir des nouvelles... Enfin, ce qu'ils n'ont pas ici, quoi, la tribu, ben, ils trouvent à Nouméa. D'ailleurs, Jean-François, vous avez quitté Ouvéa hein, pour poursuivre vos études à Nouméa et en métropole. Quitter son île, ça peut être un frein? Ça peut être un frein parce que quand on vit... Enfin, on est beaucoup entouré de sa famille. Puis une fois que tu fais le choix de partir pour faire tes études en métropole, où, ben, il faut avoir la volonté pour quitter sa famille, vivre voilà, quoi, en autonomie. C'était un choix difficile pour vous de quitter Ouvéa? Oui. Pourquoi? Ah oui. C'est parce que ici on est toujours autour de sa famille. Ben voilà, si tu as besoin de quelque chose, il y a toujours la grand-mère ou le tonton qui est là à côté. Mais là-bas en métropole, ben, c'est autre chose. Voilà, t'es tout seul, c'est à toi de te débrouiller. Enfin, autrement, mais voilà, la façon. Anekon, est-ce que les jeunes s'impliquent au niveau des associations ici à Ouvéa par rapport à la vie de l'île? Comment ça se passe? Moi, je pense qu'il y a une très bonne implication de la part des jeunes dans les associations sportives, dans les associations culturelles. Voilà, comme je disais tout à l'heure, Ouvéa est en pleine évolution. Donc, voilà, tout ça, en plus du sport, il y a aussi la culture... Alors parlons à présent de cet héritage que vous portez suite aux événements tragiques de 1988. Qu'évoque pour vous la prise d'otage d'Ouvéa, Marceline? Pour moi, c'est le ras-le-bol des grands-pères. Ils étaient fatigués de l'oppression. Ils ont décidé de se rebeller. Puis de se faire entendre parce que... Il se faisait, comment on dit, piétiner, quoi. Anekon, la prise d'otage d'Ouvéa.
Après, voilà, c'est par rapport... moi, c'est des informations que j'ai eues pendant toutes les commémorations qui ont été faites. Voilà, c'est un moment... par rapport à la loi Ponce, qui voulait abolir la culture kanak, les chefferies, les papas se sont rebellés par rapport à ça et ils ont décidé d'occuper la gendarmerie. Et voilà, malheureusement, ça a mal tourné. Jean-François, vous disiez tout à l'heure en préparant cette émission que c'était également un moyen pour sauvegarder la culture. Expliquez-nous. Parce que c'est une marque de respect aussi pour eux, parce que le fait de se dresser contre l'État pour sauver sa propre culture. Si aujourd'hui on se dit kanak, c'est parce que voilà, on a notre coutume encore, mais c'est grâce à eux, parce qu'ils se sont rebelles aussi. C'est toujours aussi difficile d'en parler aujourd'hui, Jean-François ? Oui, c'est pas des sujets qu'on va aborder comme ça avec soit les rescapés ou ceux qui ont fait de la prison après. Mais après, c'est eux, s'ils veulent bien en parler, ou des fois, c'est des moments nostalgiques comme ça. C'est eux qui... peut-être ils vont penser à un truc qui s'est passé, puis après, ils vont vouloir nous en parler aussi. Anekon, c'est un sujet tabou ? Pour certains, 30 ans après, c'est encore difficile. Mais d'autres s'ouvrent plus facilement, voilà, 30 ans après, d'autres. Et peut-être qu'ils ont compris aussi que c'est en partageant cette histoire-là que d'un côté aussi, ça va donner des déclics à des jeunes qui se servent plus de ça comme une force pour l'aboutissement d'un projet professionnel ou d'un projet culturel, voilà, en gros. Marceline, votre enfant, vous lui en parlez, des événements de 1988 ? Oui, quand il me pose des questions. Quelles questions ? Pourquoi ils sont partis à la gendarmerie ? Ou pourquoi ils se sont fait tuer alors qu'il y a les prisons. Et vous avez les réponses? Il y en a oui, il y en a non. Après, je lui dis d'aller voir les tontons. C'est important pour vous d'évoquer cette période-là avec votre enfant? Ben oui, parce que ça a quand même marqué l'île, même le pays. Puis ben voilà, c'est pour lui plus tard. Se dire que ben voilà, il y a des grands-pères à lui qui ont fait quelque chose pour faire avancer le pays. Anekon, c'est un héritage lourd à porter ? Oui, on peut dire que c'est un héritage lourd, mais voilà, moi je dis que je redis ce que j'ai dit, c'est plutôt la capacité d'une personne à se servir de ça comme une force. Donc ça peut plus. Moi je vois ça comme ça. Un déclic. Qu'on se serve plus de ça comme une force pour avancer. C'est aussi votre cas, Jean-François, avancer par rapport à ce qui s'est passé il y a 30 ans. Oui, parce que le fait de se dire qu'ils ont réussi à quand même mettre. L'État français quand même. C'est l'armée française qui s'est déplacée sur la petite île d'Ouvert. Alors pour nous, on peut s'en servir de ça pour dire que s'ils ont réussi à contrer l'État, ben nous, on peut faire aussi des choses, des projets un peu plus... pour la volonté qu'ils ont eue, le fait d'y croire, parce qu'ils y croyaient aussi. Anekon, ces événements, d'une certaine façon, est-ce que ça façonne la perception d'un homme, ses rapports de force, son identité ? Sur Ouvéa, un habitant de l'île d'Ouvéa, je pense que c'est, d'un côté, il voit ça aussi comme une fierté d'avoir de s'être levé ici, sur le pays. Que nos papas se soient levés, c'est une fierté pour nous que ce soit les papas d'Ouvéa qui se soient levés à la suite des événements qu'il y a eu depuis à Taï. Ça façonne aussi dans le sens où voilà, nous on est fiers aussi. C'est vrai que derrière il y a eu des morts, mais on a cette fierté là aussi, que ce soit ouvert aussi, qu'il se soit levé. Et est-ce que vous avez peur que ce référendum ravive des tensions, Jean-François? Peut-être ça va
Je ne veux pas dire que ça va concerner seulement nous-mêmes, mais enfin, ici peut-être aussi, mais enfin, ce sera principalement nous-mêmes qui sera plutôt impacté par ce que le référendum il va. Enfin, si demain c'est oui ou c'est non, je crois que c'est nous-mêmes le plus qui sera impacté. Et si la vie s'est ouverte, ben, ça ne va pas changer, ça ne va pas changer grand-chose. Grand-chose, le lendemain, on va toujours se réveiller pour aller au champ ou pour aller à la pêche. Nekon, vous disiez tout à l'heure qu'au niveau des espaces de parole, de réconciliation, qu'il y avait encore un chemin à faire. Oui, ben c'est toujours par rapport à la recherche de la paix, à la recherche d'une vie où un jeune sur l'île le traverse d'une île à l'autre paisiblement. Il y a encore des espaces de réconciliation à mettre en place. Il y a des personnes qui sont là pour ça. C'est juste les encourager à continuer ce travail-là. Concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Par rapport à ce travail-là, selon vous? En fait, il y a plein d'espaces de réconciliation qu'il faut mettre en place. Je prends l'exemple des partis politiques. Le FLNKS, par exemple, qui, à l'époque, avait soi-disant lâché un peu les papas à la grotte. Il faut les réunir, il faut que les prisonniers politiques les mettre en face, mettre les choses à plat et discuter de tout ça pour qu'on puisse continuer ce travail-là, finalement. Terminer le travail des papas. Et pour ça, il faut qu'il y ait la paix aussi. Le 4 novembre prochain, est-ce que vous irez tous voter, Jean-François ? Oui, j'aurais voté, oui. Est-ce que vous avez arrêté votre choix ? Oui, j'ai déjà fait. Je l'ai arrêté déjà, mon choix, oui, depuis longtemps. Sur quoi est-ce que vous vous êtes basé pour être aussi certain de ce choix-là ? En fait, mon choix, il se base sur tout simplement le respect de tous mes grands frères là, qui sont partis. Donc, en fait, ils sont levés pour notre culture. Ben, maintenant, c'est. Enfin, je ne veux pas dire que. Mais c'est, pour moi, c'est une marque de respect. Ça serait les manquer de respect si je vote autrement. Quoi. Marceline, est-ce que vous avez fait votre choix pour le 4 novembre ? Non. La politique, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que les politiciens, quand ils font leur... comment on appelle ça là ? Leur campagne. Voilà. Ils disent aux jeunes, venez voter, tout ça, on va faire ça, 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 ça. Mais après, quand ils sont élus, derrière, il n'y a plus rien. Les promesses qu'ils font aux jeunes, là, les insertions, tout ça, il n'y a rien. Tu vas nommer, il y a plus de délinquants. Enfin, chaque année... Il n'y a plus de délinquants, il n'y a plus le... Enfin, ce que vous essayez de nous dire, c'est que vous n'y croyez plus voilà. À la politique, c'est ça ? Voilà. Quel avenir est-ce que vous souhaitez pour votre enfant, Marceline ? Qui va loin déjà à l'école. Puis qui sache vivre avec tout le monde. Enfin, n'importe qui, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Le vivre ensemble, voilà. Une valeur que vous partagez également à Nekon, par rapport aux échéances qui nous attendent. Pour moi, les échéances, le référendum, c'est, on va dire que c'est la suite logique du combat qui a été mené par les papas. Certains diront que y a eu l'amnistie et ça a amené aussi les accords de Matignon. Maintenant, on ne peut plus retourner en arrière. Il faut se servir de ça. Il faut continuer dans ce sens-là. Et la suite logique du combat qui a été mené par les papas, voilà, qui sont morts à la grotte. Comment voyez-vous votre pays de demain, Jean-François ? Je le vois déjà avec toutes les ethnies qu'il y a sur le territoire. Pour maintenant, il y a beaucoup de métis. On ne va pas dire que demain, faut que les autres là, ils rentrent chez eux ou les autres. Mais on ne peut plus dire ça parce que voilà, même moi aussi, j'ai de la famille qui sont un peu, tu vois, thaïciens, métisseux. Ça fait que le pays de demain, aujourd'hui, on doit faire avec tout le monde. C'est comme ça qu'on va avancer. Si faut encore se faire la guerre, c'est pas comme ça qu'on construit un pays. Je vous vois acquiescer, Anécon.
Vous partagez ce point de vue donc? Oui, oui, bien sûr. Il faut pas avoir peur non plus de diriger le, je veux dire, par rapport aux politiques. Il faut le faire. Si on ne le teste pas, on pourra pas rebondir. Ou bien, si ça se passe bien, tant mieux. Mais s'il n'arrive pas à le gérer, le pays plus tard, mais la prochaine fois, ils sauront comment voilà s'orienter, comment voilà, rebondir quoi. Mais il faut un test. Voilà, nous arrivons à la fin de notre espace de parole et de partage. Anécone, Marceline, Jean-François, merci encore pour votre accueil. Oleti Ganman, Messi, Fagaefa. Voilà, nous vous retrouvons, Nadine. Vous êtes cette fois-ci au marché de Fayaoué avec de nouveaux invités. Merci à Marceline, Jean-François et Anécone pour ce partage. Nous sommes à présent à Nimahin, au centre de l'île, dans le district de Fayaoué, où se tient le marché des femmes en face de la station d'essence chez Raymond. Elle est pour répondre aux questions qui ont été soulevées. À mes côtés, Jacob Waéo, représentant de l'aire coutumière IAI, Robert Capoueri, conseiller municipal. Vous êtes aussi un des référents pour ce qui est de la présentation du projet de société du FLNKS, et Maurice Wanakame, pasteur et président de l'église protestante de Kanaky, Nouvelle-Calédonie, pour la région IAI. Merci de nous accueillir ici à Ouvéa. On l'a entendu, dans cet espace de parole, les jeunes ont évoqué plusieurs choses. Robert Capoueri, qu'est-ce que vous retenez? Oui, avant tout, bonjour à tous. Donc, voilà. Ayant vu les trois intervenants, les jeunes, je pense que ils ont bien résumé leurs sentiments par rapport à l'évolution depuis les événements jusqu'à nos jours. Il y a d'une part, comme l'un disait, qu'il y a eu une évolution, peut-être. Pas perceptible, je veux dire, comme sur Nouméa ou comme sur Lifou ou comme sur Moiré, mais il y a quand même quelque chose qui se fait à Ouvéa. Il y a la jeune fille qui parlait de voilà, que ça la laisse sans réaction, parce que comme elle disait, on appelle les jeunes à voter, puis après on ne s'occupe plus d'eux. Voilà, ça aussi on prend en compte. Et puis il y a d'autres, il y a une autre intervention qui disait que c'est difficile. Voilà. C'est ce que je retiens de ce que disent les jeunes. Personnellement, si je dois intervenir, c'est simplement pour dire que il y a une évolution, mais peut-être pas perceptible par tous, parce que et il est évident que chacun doit y aller, doit s'efforcer d'aller chercher le développement qu'il veut. Ben, je vais m'arrêter là. Maurice Wanakame, au sein de l'église protestante de Kanaky, Nouvelle-Calédonie, est-ce que ce sont des discours que vous entendez aussi de vos fidèles? Qu'est-ce que vous retenez là de ce qu'ont dit les jeunes? Oui, d'abord, bonjour et merci. Et pour moi, ces paroles évoquées, c'est un peu ça fait partie de la réalité. Ça a été vécu ici sur l'île. Et ce sont des constats, ce sont des sentiments là que les jeunes essayent d'exprimer par rapport aussi à des témoignages. Et sur quel point précisément? Est-ce que c'est sur l'héritage là de la tragédie qui a marqué l'île? Est-ce que c'est sur la politique? On ne s'y intéresse pas du tout, parce que de toute façon, les promesses ne sont pas tenues. Oui, on peut parler, oui, l'héritage, l'histoire vécue, et aussi bien les promesses. Et ça fait partie des constats, des sentiments, de la réalité, de la vie de la région. Ici, dans la région d'Aï. Et les jeunes sont obligés d'exprimer comme ça
Ce constat-là, Jacob Wayo, au niveau de l'ère coutumière IAI, vous le ressentez aussi? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous retenez comme message important là, au niveau de ce que les jeunes ont dit? Tout d'abord, je voudrais remercier pour ce temps de parole. D'après les images qu'on a vues, moi je pense qu'il y a de l'espoir, même si ces jeunes-là n'ont pas connu leurs ancêtres qui sont encore là, qui sont partis, qui sont morts, mais les paroles sont restées. Ce sont ces paroles-là qui les encouragent à avancer. Même tout à l'heure, la dame, elle parlait du vote, elle dit qu'elle ne participe pas au vote. Mais les deux autres, ils disaient qu'il faut quoi là, qu'il faut voter. Elle disait qu'il ne fallait pas voter, mais elle est d'accord pour le devenir de quoi là, de pays. Le devenir du pays, c'est cette indépendance que nous voulons. L'indépendance, il faut la préparer. Je pense que les jeunes qui ont pris la parole, ils sont vraiment motivés pour que la chose puisse s'accomplir selon les bonnes conditions. Voter l'indépendance, on l'a entendu, c'est plus un devoir, un respect par rapport à ces 19 martyrs qui sont tombés. Oui. On a l'impression que c'est plus un respect qu'une réflexion personnelle, une adhésion à un projet politique. Robert Capoeiri, qu'en pensez-vous? Oui. Pour certains, c'est sûr que voilà, ce qui a été leur vécu leur parle comme cela en parlant de respect. Mais le projet d'indépendance n'est pas tout à fait nouveau. Il a été acté depuis par le. Mais dans ces détails, dans le projet de société, au lendemain du 4 novembre, oui. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Dans ce projet, le lendemain du 4, je préfère le dire tout de suite que le 4 novembre, le 5, ce sera la continuité de ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que l'accord de Nouméa, il va jusqu'en 2022. Donc, 2018, il y a un premier. Le 4 novembre prochain, il y a le premier référendum. Deux vont suivre en 2020 et en 2022. Voilà. Si le oui l'emporte, il y aura 4 ans de transition. Et si le non, il y aura possibilité en 2020, si on a le tiers des élus au Congrès qui demanderont le deuxième référendum et le même cas en 2022. Voilà. Et sinon, la suite, c'est en 2022. C'est en 2022 qu'il faudra, où il faudra se projeter vers autre chose. Donc vous serez attentif dès le 4 novembre aux écarts qu'il peut y avoir. On l'a vu au provincial en 2014, il y avait 35% d'abstention. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez veiller. Tout à fait. Les démarches commencent vers le. Bon, il y a déjà ce qu'on appelle on attend du Conseil d'État l'inscription automatique. Mais on va vers les gens depuis. On a commencé pour les inscriptions parce qu'il y a déjà les inscriptions. Beaucoup de Kanaks ne sont pas inscrits, donc et non Kanaks. Et ensuite il y a les abstentionnistes vers qui on va y aller. Donc dans les îles, mais aussi Nouméa, dans les quartiers. La cinquième île. La cinquième île, j'ai l'habitude de parler de cela. Parce que c'est Nouméa quand même, il y a un gros morceau de personnes des îles. Et comment on fait? Vous allez mettre en place des référents? Donc actuellement l'organisation, c'est cela. On met en place des référents dans toute l'île, pour qu'on puisse aller voir les tribus, ici pour Ouvéa. Il faut se rappeler que dans toute la Calédonie, il y a 341 tribus. Donc d'ici, on a 6 mois de campagne, donc il faut pouvoir y aller. Donc un référent par tribu ici, mais également sur Nouméa, dans les quartiers, dans les squats, partout où on a des gens qui peuvent voter. Voilà. Alors ce travail de propagande, il était aussi effectué au sein de l'église protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Vous avez pris officiellement depuis 2013 position pour l'indépendance. Vous avez changé de nom. Est-ce que c'est un discours lors de vos prêches que vous,
que vous imposez, ou vous laissez le libre choix que vous laissez le libre choix à vos fidèles? Oui, depuis la prise de position, hein, depuis 1979, l'église, le PKNC, qui est devenu le PKNC maintenant, est toujours là, présente, accueillante pour préparer ses fidèles, hein, vers un choix, vers aussi à se préparer, déjà pour les séances, mais aussi pour une continuité. Et la continuité, c'est une mission vers la paix, pour le vivre ensemble. Et cela, on le prépare avec des thématiques. Et actuellement, on est sur cette thématique intitulée un concitoyen d'un pays nouveau. Et c'est comme ça, nous, dans le PKNC, on prépare déjà les fidèles, les préparer pour pouvoir et de choisir et aimer des moyens pour avancer ensemble. Ça, c'est des moyens pour avancer ensemble pour ces projets-là. Juste après, le grand projet pour l'Église, ça, c'est le vivre ensemble, surtout après les séances. Et c'est une étape qu'on pense difficile, qui doit être difficile à vivre. Ici et avec les autres. Nous qui sommes ici, avec les autres qui sont... Voilà, et maintenant, il faut préparer, il faut chercher des stratégies. Comment aller ensemble, comment partir ensemble pour ces objectifs-là fixés. Hein. Comment vivre ensemble, travailler cette unité. On l'a aussi entendu avec les jobs, Jacob Huayo, ce besoin d'être réunis. Depuis la tragédie d'Ouvéa, il y a 30 ans maintenant, des réconciliations ont été menées avec les gendarmes dans les années 90, avec l'Église aussi dans les années 90, avec les familles Tchibaou et Yewene dans les années 2000. Qu'est-ce qui reste à faire? On sent qu'il y a quand même un malaise au niveau coutumier. Rien que sur l'île d'Ouvéa, déjà en premier. Dites-nous, comment on fait pour avancer tous ensemble? Je pense qu'il faudrait tout d'abord la paix, hein. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de réconciliation, nous allons avancer, mais difficilement. Et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours la division. Il n'y a pas quoi là. On n'a pas encore, on ne se comprend pas encore d'une manière cohérente pour pouvoir avancer d'une même idée. Bon, là pour le moment, c'est difficile, mais il ne faut pas quoi là s'arrêter là. Tout à l'heure, les jeunes qui ont parlé là. Il faudrait peut-être savoir leur opinion politique. Parce que pour le moment, au niveau de l'indépendance, il y a ceux qui sont pour, puis il y a ceux qui sont contre. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il faudra convaincre tout le monde pour qu'il adhère à ce que le peuple voulait. Donc il faut se donner aussi, les moyens. Maintenant, nous sommes arrivés à cette période-là. Donc le travail qui se fait en amont, nous allons continuer. La paix, on a déjà commencé de faire la paix. Tout à l'heure, on a cité la paix avec quoi la paix depuis Yengen, Marais, jusqu'ici. Mais maintenant, localement, c'est ce que nous devons faire. Il y a des problèmes, mais lesquels nous devons quoi essayer de les résoudre. 30 ans se sont écoulés depuis la tragédie. Oui. Comment on fait pour réunir, pour se vivre ensemble entre des gens qui se sont affrontés durement sur l'île d'Iaï, et comment on fait pour travailler ensemble, et puis on n'a pas forcément aussi la même vision de la Calédonie. Il faudra du temps, hein. Il faudra du temps, et puis il faudra des personnes crédibles. Pour le moment, tout le monde peut faire quoi, peut faire la paix, puis ce sont des gens qui ne sont pas crédibles pour pouvoir amener la paix. Donc pour le moment, je pense qu'il y a des commissions, il y a des gens, il y a des chefs qui font quoi là, des efforts pour parvenir aux objectifs que nous sommes fixés. Je crois que c'est ça là. Et pour le moment, on parle de quoi? De division. Non, il n'y a pas quoi là. Le train, on avance. Vous savez, il y a des petites choses qu'on devait quoi là arranger pour qu'on puisse quoi là avancer
et atteindre les mêmes objectifs que nous sommes fixés. Quoi. Mais ce travail-là, c'est aux coutumiers. Est-ce que c'est aux élus? Est-ce que c'est aux religieux de mener ce chemin de réconciliation au sein des familles, des clans, des districts, des chefferies, oui, pour avancer? On l'a entendu, là, ce jeune de Gossana, oui, qui reproche sur un plan politique, eh ben, le FLNKS nous a lâchés. Oui. C'est des paroles dures que vous avez entendu tous. Alors, comment on fait pour dépasser le traumatisme et aller plus loin? Ils attendent que ça, maintenant. Je pense que c'est une quoi, là. Le jeune, il a quoi, il a répondu comme ça. Les quoi, là, les FNK, tu fais un quoi, là, un travail. Sans le travail qui a été fait au préalable, ben, il n'y aurait pas cette paix qui avance maintenant, là. Au sein des jeunes, ils n'ont pas vu le début. Là, ils sont dedans, mais ils verront demain la fin. Donc, ensemble avec eux, je pense que nous allons arriver et atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Voilà. Robert Capoeiri. Oui. Oui, je n'adhère pas tout à fait à. Pour dire que le bureau politique du FLNKS, à ce moment-là, la grotte, les événements de 88, n'y étaient pas affiliés, quoi. Ils n'étaient pas du tout. Prévenu. Je pense que c'est une. Les chefferies aussi n'étaient pas prévenues. Personne n'était prévenu. Ça, c'est. Je pense que je l'ai dit un peu devant tout le monde. C'était. Voilà, c'était une décision qu'on avait prise dans le. On appelait ça des comités restreints de chaque tribu. Et on s'est réunis pour. Voilà, on n'était pas tout le monde au départ partant pour faire cette action, mais bon, il a fallu à un moment donné qu'on tranche. Et voilà, on l'a fait. Mais le BP n'était pas du tout au courant. Voilà. Maintenant, ce constat fait, comment on fait là, à 6 mois du référendum, pour Ouvéa, qui est un fief indépendantiste, pour travailler à cette unité qu'appellent les jeunes, ben, notamment. À chaque commémoration du 5 mai, il y a des gens du bureau politique qui viennent et qui prennent la parole. Mais souvent, on leur demande d'expliquer le pourquoi. Or, ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'étaient pas, au courant de ces choses-là. Mais peut-être, là, pour les 30 ans, actuellement, c'est pas du tout. On ne pourra pas non plus. Demander au bureau politique du FLNKS de faire, parce que je pense que ce sont des affaires internes ici. Ce n'est pas un mot d'ordre du FLNKS. Ça doit d'abord passer sur le plan coutumier, oui, voire religieux. Par exemple. Maurice Wanakame, comment vous voyez ce travail de réconciliation au sein des familles, des clans, des chefferies? Quel rôle l'Église peut y jouer? Oui, je veux dire, si c'est une mission, c'est un travail que les trois partenaires peuvent ensemble partir, s'adhérer là-dessus, puis partir ensemble sur ce travail. Mais avant tout, il faut déjà chacun, là, dans son clan, dans sa famille, là, il faut un travail déjà de coloniser un peu la mémoire, hein, pour pouvoir avancer. C'est déjà à l'intérieur, c'est dans la tête déjà. Il faut travailler ça. Et accepter. Et comme ça, on peut se mettre ensemble pour avancer vers une réconciliation. Et avancer sur la réconciliation, avancer aussi dans le développement, oui, économique de l'île. 30 ans après les accords de Matignon qui ont découlé de la tragédie, quel bénéfice a pu avoir IAI de ces accords dits de rééquilibrage? On a une question d'une jeune, justement, avec Dave Wayonasson, aussi à Lima, au marché des femmes, sur cette thématique. Effectivement, on a dit une question de Susana. Susana, vous avez 27 ans et vous êtes originaire d'Oniat. Susana, une question sur le rééquilibrage. Oui, moi j'en ai entendu souvent parler du rééquilibrage. Ma question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes en termes de formation, de tout ce qu'il faut pour les occuper? Voilà une question sur le rééquilibrage, Nadine.
Merci Dave, merci pour cette question, Susana. Robert Capoeiri, vous qui êtes élu conseiller municipal, vous pouvez peut-être mieux à même de répondre à cette question de Susana. Quels sont les bénéfices, quelles retombées pour les jeunes 30 ans après avec les accords de Matignon et de Nouméa? Oui, je pense que la province a mis en place des formations. Et c'est vrai que ça n'atteint pas toute la jeunesse de Yaï. Je suis désolé, mais voilà. Ça répond à certains critères, à certaines catégories de jeunes, mais pas l'ensemble des jeunes. Parce que il faut des choses qui sont comment je sais pas, il faut que le jeune aille chercher ce qu'il veut. Et souvent on manque de structures d'accueil sur OVA pour pouvoir parce que ça suppose aussi qu'il faut que le jeune se déplace pour une formation sur Nouméa ou ailleurs. Mais je pense qu'il y a eu des formations qui ont été faites jusqu'à maintenant aussi bien sur Nouméa que sur les autres pays de la région. Hein. Je parle de Nouvelle-Zélande, d'Australie, et la métropole, le Canada. Donc, il y a des choses, peut-être pas assez suffisamment. Je pense qu'il y a ça. Mais le système actuel fait aussi qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'on, quand je parle d'un projet du FLNKS, ça concerne bien cela. Ça concerne l'ouverture à tout le monde de la société, du développement économique, parce qu'on est assez limité pour le moment. Voilà ce que je peux dire. Merci Robert Capoeiri. On a une autre intervention de Dave Wayanasson. Oui Nadine, il s'agit d'un témoignage, le témoignage de Roselyne. Roselyne, une mamie de Gossana, vous vouliez témoigner sur le vivre ensemble, Roselyne. Voilà, je suis une maman de Gossana. Je suis une vécue des événements de 88 sur le terrain. Et puis, voilà, moi, je souhaite aujourd'hui qu'après les 30 ans, il faut qu'on vit ensemble, il faut qu'on construise ensemble le pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le vivre ensemble, Nadine. Merci, Dave. Merci pour ce témoignage et cet appel au vivre ensemble de cette maman de Gossana. C'est sur ces mots que l'on termine cette émission. Merci encore une fois à nos hôtes de nous avoir accueillis ici à OVA. Merci d'avoir accepté de partager avec nous vos craintes, vos attentes, vos questions par rapport à 2018, à ce référendum. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission et notamment aux mamans qui sont ici au marché de Nîmes. Merci à l'équipe de La Première pour ce nouveau numéro de Parole et Partage. Jeudi prochain, ce sera l'émission politique Questions à venir. À très bientôt.